Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les vidéos qui sont prévues cette semaine, à savoir une vidéo par jour du lundi 23 jusqu'à dimanche. Et chaque soir, après que vous ayez laissé un petit commentaire sous la vidéo, je ferai un tirage au sort. Et la personne tirée au sort gagnera la création que je ferai. Donc, je vais appeler ça défi 1 des fleurs. Jour 1. Défi jour 1 des fleurs. Vous verrez en guise. Donc, c'était avec ces petits dailles là. Donc, ils sont là. Il faut faire. Bon, eux, ils en ont mis 3. Mais on peut en faire plus. Après, il suffit juste de modifier les morceaux. Donc aujourd'hui, ça va être la première de la série. Donc aujourd'hui, on va faire une, mais en format ATC. Chaque jour, ce sera une créa différente. Ce ne sera pas des grandes créations. Et la personne qui sera tirée au sort, je lui enverrai la petite créa. Pas tous les jours, je ne suis pas allée à la poste tous les jours. Déjà, le lundi, c'est fermé. Il s'est ouvert que le matin. Donc, mais vous aurez vos cartes, vos créations chez vous. Donc, j'ai tamponné. Je l'ai fait d'avance. Hein, je mets dans des pochettes, et comme ça j'en ai d'avance. Donc ça c'est mon tampon et mon die. J'ai coupé au même format dans du noir. Donc c'est du noir classique, hein. Pas trop fin, pas trop épais non plus. Donc déjà, on va commencer par la première qui est là. Donc, je l'ai un tout petit peu modifié. C'est juste pour aider de donner une idée, on va dire. Peut-être un peu français. J'ai sorti aussi des petits énamédotes plats que j'avais. J'en avais acheté plusieurs sur Tonton Ali. Alors, déjà, on va coller notre fond noir sur la base. Donc, pour éviter que ça fasse trop de. Enfin qu'il y en ait trop d'un coup, j'utilise mon biberon au lieu de celui-là. C'est de la taquille hein, que je mets dedans. Alors, attends, on va juste coller hop, la base. Juste voilà. Hop. J'enlève la colle qui est qui a fait des paquets. Ensuite je colle. Donc comme je ne fais pas j'utilise pas pardon le die ATC pour faire mes fonds, et bien il n'est pas tout à fait la même taille. Oups, avant que ça colle, je le place correctement. Voilà. Donc voilà. Collé. Ensuite. Voilà. Ensuite, ben, ma petite fleur, j'ai fait mes découpes. Alors uniquement, et ça c'est un défi aussi, quelque chose que j'ai rajouté, c'est uniquement dans mon tiroir là, c'est que des chutes.
Donc, le défi, ça va être d'utiliser que les chutes pour faire mes créations cette semaine. Enfin, concernant les vidéos que je vous présente. Alors, ensuite, dans mes chutes, hein, quand je dis, oups, j'en ai des. Ça, c'est les yeux. J'ai utilisé une chute orange. C'est dans les papiers où il y a du doré et tout ça. Donc, j'ai pris. Je suis dans la période orange, violet, jaune. Je ne sais pas. Alors, je vais prendre. Ça, c'est pareil, c'était un essai que j'avais fait. Et, du coup, hop, je garde. Alors, on va utiliser. Je regarde lequel serait mieux. Ouais, on va utiliser le côté le plus foncé. Donc, pareil. Je vais le coller, mais sans mettre trop de colle. Juste là, pour pouvoir coller la tige. Pour la mettre en dessous. Je mets la colle. Après, je rajoute s'il y a besoin. Je vais mettre ce sens-là. Voilà. J'enlève les petites taches. Et avant que je sois bien bien collé, je vais coller ma tige. Glacé. Voilà. Et attends. Avant que ça colle bien, je vais juste décoller là. Oui, ça a déjà collé. Juste un peu pour la placer en dessous. Voilà. Alors, je vois quelque chose de droit. Voilà, j'enlève plus de colle. Bon, après, j'enlève avec un une gomme. Que sur une noire, ça tendance à attacher. Voilà. Ça. Ensuite, on va mettre le cœur. Alors, le cœur, celui-là, je sais pas si... ouais. Il est un peu gaufré, on va dire. On va essayer de le mettre 3. Voilà. Alors j'ai fait exprès qu'il ne soit pas droit. Enfin la tige au moins. Parce que j'aime pas quelque chose de trop carré, trop lisse. Voilà. Ensuite, nous avons les feuilles. Pareil, tout est pris dans les chutes. Alors, on va les mettre comme ça. Donc, j'appuie pas trop pour que la colle ne sorte pas. La deuxième.
tourne. Attends. Ah. Il a code sur les doigts. Voilà. Moi, je vous dis, j'enlèverai la colle autour après. Il n'y a pas cette colle au bord. Voilà. Juste un peu. Voilà, il manque un petit peu sur le bout. Voilà. Donc voilà tout ça. Et au cœur dans le centre, on va lui mettre, parce que vous allez voir, des yeux et une bouche. Alors, dans mes ailes, là, il y a plein de petits. Oui. Là. Et au début, quand je l'ai découpé, j'ai eu peur, je croyais que c'était que d'un bloc. Et en fait, quand vous les découpez, ils sont individuels. Bon, il y a des comme ça, il y a des plus gros. Ils sont un petit peu embossés. Et ça, vous verrez pour les prochaines vidéos. Alors, pour les... J'en ai pris la colle après. Oups, si je souffre, je vais perdre mes yeux. Alors, on va mettre les yeux. Alors, ça va être short parce qu'ils sont tout petits. J'en mets juste un bout. Une goutte au milieu. Donc là, le deuxième œil. Je ne vais même pas vous le montrer tellement il est petit. Hop. On va essayer de pas trop décaler. Voilà. Et la bouche, alors la bouche, elle est encore plus petite. Enfin, normalement, ça, c'est des yeux. Il y a une façon de les mettre, on peut avoir comme les sourcils. Mais moi, j'utilise pour faire la bouche. Ou alors la colle, c'est short parce que ça fait quoi, 2 mm? Pour arriver à la mettre. Alors, si vous le mettez en haut, vous aurez un sourire. Si vous le mettez en bas, vous aurez quelqu'un qui n'est pas content. Vous arrivez à le coller. Mais la colle, il n'y en a plus, ça colle sur mes doigts. Alors, je vais essayer de le mettre un peu droit. Hein. Voilà. Voilà. On va laisser bien sécher. Et voilà ce que ça donne. C'est pas très droit. Ouais. Voilà, petite carte fleur, ATC. Oui, il y a une ATC fleur. Ensuite, on va mettre des petites traces. La déco, après, c'est vous qui voyez comment faire. Alors. Hop, je vais utiliser les plus petits, mais les oranges. Enfin, pas les
pas les tout petits comme les yeux. On va mettre ceux qui sont intermédiaires. Donc je vais en mettre un ici. Et un plus petit par contre. Ah, mais là, j'ai la colle. Attends. J'avais la colle sur une doigt. J'en ai juste là. La colle qui est dessus, en fait, c'est une feuille de double face. Donc, je l'enlève. Voilà. Sinon, ça fait une tache. Donc, voilà, petite ATC fleur. La première de la série du jour 1. Donc, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire sous cette vidéo uniquement. Et tous les jours, si vous voulez avoir une chance de remporter les petites créations. Voilà, ben j'espère qu'elle vous plaît. Et vous voyez, c'est assez sympa. Demain, nous ferons cette nuit. Et ainsi de suite. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à demain pour la création du jour 2 des fleurs. Bye bye tout le monde.